D'après le docteur Jean-Jacques Mbongani, il a été noté une hausse de taux de positivité de test, soit de 5,45% à 7,4%, et une baisse des nouveaux cas importés qui est passée de 6 à 3 décès enregistrés, dont un aux cliniques universitaires de Kinshasa et deux respectivement dans la zone de santé de Boma et la ville de Mwanda. Malgré qu'il avait été déclaré à Kinshasa la fin de la pandémie à COVID-19, ces virologues estiment qu'il serait important d'avoir des précisions sur les types de vaccins pour éliminer cette maladie. Nous nous disons que le vaccin, d'abord il y a plusieurs vaccins. Et puis lesquels est le bon? C'est ça le problème. Et nous avons entendu dire à Kinshasa que le Congo a supprimer le Covid grâce au vaccin. Je posais la question à la personne, quel vaccin? Parce qu'il y en a plusieurs. Lesquels les Congolais utilisent? C'est ça le débat. Ainsi, le ministre de la Santé a insisté sur l'observation des mesures barrières et la vigilance avant de recommander vivement la vaccination pour se protéger contre cette pandémie.